Bonjour à vous, ici Noémie. Alors, pour l'entraînement d'aujourd'hui, on focus sur les bras, les épaules, le haut du corps. Alors, on va vraiment travailler en force, en renforcement. Pour la simple et bonne raison que si vous êtes comme moi, on aime ça avoir les bras forts et qu'on aime bien le petit look que ça donne quand les bras sont bien découpés. Alors, pour la session d'aujourd'hui, moi, j'utiliserai des poids de 4 livres. Je vous suggère quelque chose de semblable. Peut-être pas aller au-delà de, disons, 7 livres. C'est ce que je vous suggère, mais encore là, c'est vous qui voyez. Sinon, c'est tout ce que j'avais. Sans plus attendre, commençons. Alors, on va se mettre à genoux. Les genoux largeur de vos hanches, les bras le long du corps. Et quand on passe à bien rouler les épaules vers l'arrière, on va rentrer le ventre. Et on va aller ouvrir les bras ici en croix et les ramener le long du corps. Donc, on respire. Donc, des petits mouvements pour se réchauffer. Dans les mains fois. Un dernier. Super. Et on va ramener les paumes de main vers l'avant, coule les épaules vers l'arrière. Toujours, on rentre le ventre. On va aller faire des bicep curls. Donc, on ramène les poids dans les épaules. Je vais juste me mettre de côté pour que vous voyez. Donc ici, on ne veut pas sortir les fesses, on reste tout content, on pousse le bassin vers l'avant pour garder le dos bien droit. Les coudes bien collés contre les côtes. L'arrêt est longue. 3. 2. Et 1. Et de là, on va garder les bras allongés vers le sol. On va les ouvrir sur le côté et on ramène de là. Toujours pour réchauffer. 3. 2. Et 1. Super. On va lâcher nos poings un petit instant. On va juste aller apprendre une inspiration, on met les bras vers le plafond. Puis aller ouvrir les bras grands derrière et ramener de chaque côté. Jusqu'à ce qu'on ait un petit peu plus de mobilité, bien réchauffer l'articulation avant d'aller faire des mouvements un peu plus intenses. Donc, rien qui bouge dans la colonne, juste dans les épaules. Une dernière fois. Et on renverse. Deux. Et un. Super. On va mettre les bras ici, 90, et on va ouvrir, pousser les bras vers l'arrière et ramener devant. Même chose de l'autre côté. Et ramène. Excellent. On va aller reprendre nos poids. Donc ici, encore une fois, on va ouvrir les bras en croix. Mais maintenant, on va les ramener de bas et de chaque côté. On va essayer de les garder parallèles au sol. Faire bien les fesses et le ventre pour garder la colonne bien droite. 3. 2 et 1. Ici, on garde les bras bas, on tourne les paumes même vers le plafond, on ramène les bras au-dessus de la tête et on ouvre. 3. On respire. On peut garder les coudes légèrement fléchis dans ce cas-ci. 3. 2. Et 1. On va ouvrir les bras à 90. On revient au même mouvement qu'on a fait en échauffement. Parce que là, ça commence à bien brûler dans nos épaules. 4. 3. 2. 1. Garde les bras à 90. On monte les coudes et on redescend. C'est des petits mouvements. Je pense à bien fermer la cage. Donc, je vais mettre de côté ici. On ne veut pas aller cambrer le dos. On reste le dos droit comme ça, c'est accroché contre un mur. 5. Non, c'est pas 4. 3. 2. Et 1. Et on ramène les bras le long du corps.
Vous essayez d'emmener la jambe droite devant. N'hésitez pas à plier votre matelas si vous avez besoin pour supporter votre genou qui est derrière. Donc, on roule les épaules vers l'arrière, tourne les mains vers l'arrière, on vient se pencher vers l'avant contre notre jambe. On rentre nos pieds, on va aller pousser les bras vers l'arrière et on ramène. Regarde les bras derrière, fais des petites pompes vers le haut. Regarde le cou bien allongé. 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène. On va aller changer de jambe. Donc, pied gauche, on est devant. Ici, on sert le ventre, même chose, on vient se pencher vers l'avant. Pompe de main vers l'arrière. On rentre le nombril, on roule les épaules. Pousse les bras derrière. Et ramène. Donc, même mouvement que début. Donc, on va commencer à sortir les triceps. 5, 4. Comme ça, la deuxième fois qu'on le fait, par exemple, ça change un petit peu plus vite. 3, 2, 1. Garde les bras derrière. Cette fois, ça change le mouvement. Tourne les paumes de main vers l'avant. Tourne les paumes de main vers l'arrière. Donc, rotation dans les épaules. Regardez pas bien haut. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on ramène. Écoute, pour la suite, on va déposer nos poids. On va faire avec le poids de notre corps maintenant. Donc, on va venir dans une planche sur les genoux. Donc, même chose si vous avez besoin, vous roulez le tapis pour mettre sous vos genoux. On peut aussi déposer votre jambe. Moi, j'aime bien les avoir relevés. Donc, on ouvre grand les doigts, mains sous les épaules. Et là, on va plier nos coudes le long du corps, mi-chemin. Donc, on arrête à la moitié et on pousse, on remonte. Oh, il y en a encore dans notre tricep. On rentre le ventre, descend mi-chemin. Et on remonte. 3, 2, 1. Et là, on va descendre jusqu'en bas avec contrôle. Good. Une fois qu'on est sur le ventre, main directement sous les épaules. Là, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on monte mi-chemin et on redescend. Bien placer les bras, les mains dans le bas du dos. Inspire, expire, on roule les épaules vers l'arrière, on allonge le cou. Tire les bras loin derrière pour aller sentir un bel étirement dans les épaules. Et relâche, main sur les épaules encore une fois. On pousse les têtes à l'arrière, on va s'asseoir en position de l'enfant. Dernière respiration ici. Excellent. Il nous reste un petit dernier étirement. Donc, on a quatre pattes. On va ouvrir le bras gauche vers le plafond. On amène le bras gauche sous notre bras droit. On vient déposer les paumes de la tête au sol. Et on revient quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Donc, c'est le bras droit qui ouvre vers le plafond. Inspire en haut, expire, twist. Main sous ton épaule, sous ton bras gauche, pardon, dépose ton épaule de ta tête. Excellent. Et on revient s'asseoir quatre pattes ou sur nos talons. Donc, c'est un petit vidéo. N'hésitez pas à le refaire si jamais vous avez besoin de plus. On peut le faire deux fois. Ou complétez-le avec un autre de nos vidéos pour avoir un. Maximiser votre temps d'entraînement et avoir le meilleur résultat. Donc, au plaisir, salut et une très bonne journée.